Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue à Épernay, à la Halle des Sports, pour une soirée que nous espérons exceptionnelle, avec un très grand combat en perspective, un championnat d'Europe des super mi-moyens qui va opposer le tenant du titre, l'Espagnol Javier Castillero, à son challenger, l'ex-champion d'Europe, le Français Laurent Boudouani, que l'on qualifie généralement comme le boxeur le plus doué de sa génération. Et il faudra bien ça, Jean-Philippe Lustig, car ce soir, c'est toute sa carrière que Laurent joue à quitte ou double. C'est un quitte ou double, exactement, Thierry, ce soir pour Laurent Boudouani, boxeur spectaculaire, un véritable puncher, démonstration avec ce clip des victoires les plus impressionnantes de Laurent Boudouani. Laurent Boudouani serait probablement toujours champion d'Europe s'il n'avait eu deux défaillances inexplicables, en tout cas pour les amateurs de boxe dans sa carrière. Deux défaites assez surprenantes contre Gilbert Baptiste d'abord et contre Bernard Razzano ensuite. Nous y étions les deux fois. Souhaitons pour lui que le dicton jamais 203 ne se vérifie pas ce soir. Exactement. Laurent Boudouani, champion d'Europe pendant un an, gagne trois championnats d'Europe consécutivement et perd devant Razzano. Tout s'écroule pour Laurent Boudouani. Aujourd'hui, c'est donc un retour. Il s'est entraîné. Il s'est confié à nous. Écoutons Laurent Boudouani. Ils sont là, bien entendu. Si j'ai fait des erreurs, c'est clair que je les aurais payées, en tout cas. Surtout dans la boxe, c'est à mon avis le seul sport qui ne tolère pas la médiocrité. J'ai peut-être pas su gérer au bon moment comme il fallait, ce qu'il fallait, peut-être pas la maturité nécessaire non plus. Un match de perdu en boxe, surtout à ce niveau-là, c'est une année perdue. J'ai perdu mon titre européen, il y a un an qui s'est écoulé, j'ai refait trois combats. Maintenant, je suis challenger européen, c'était mon but le plus cher. Et ouais, je suis au pied levé, quoi, en fait. Je suis devant un mur qui s'appelle Castillero, qui est champion d'Europe, et c'est quelque chose que j'ai envie de briser, quoi, en fait. C'est un match capital pour vous. Super important. Super important. Par rapport au bonhomme, par rapport au challenge. C'est super important. Ouais. Par rapport au sacrifice que j'ai fait, tous les entraînements que je fais, que je subis, que je supporte, tous les aléas de la vie, en fait. Ouais, c'est très important pour moi. C'est ce que je m'y prête beaucoup et je n'ai pas envie de le louper. Si j'ai une revanche à prendre avec quelqu'un, je crois que c'est envers moi-même. Actuellement, j'ai rendez-vous pour le 3 janvier. Je connais mon visiteur et je pense plus qu'à ça. Et le 3 janvier, c'est ce soir, lucide et motivé, Laurent Boudouani. Cette fois-ci, on ne pourra pas dire qu'il ne s'est pas bien préparé. Vous avez vu ces images que Jean-Philippe Lustig a ramenées de son camp d'entraînement. C'est vraiment un boxeur super, super motivé que nous allons trouver. Et il faudra ça, car Javier Castillero, ce n'est pas n'importe qui. Comme vous dites, c'est un client. Oui, Thierry, c'est un client. Super client. Cet Espagnol. Démonstration, les 5 championnats d'Europe victorieux de Javier Castillero, le meilleur boxeur espagnol de sa génération. Javier Castillero devient champion d'Europe le 11 janvier 1994 à Dijon en battant en 6 reprises le Français Bernard Razzano. Un mois plus tard, il conserve son titre en battant en 4 rounds l'Italien Santo Colombo. Le 25 mars, c'est Valentino Manca qui est battu dans la 5e reprise. Le 20 mai, c'est le Belge Patrick Wumbo qui s'incline au point devant l'Espagnol. Enfin, le 23 juillet, Javier Castillero bat en 8 rounds le Français Ludovic Proto.
En 8 mois, l'Espagnol a remporté ses 5 championnats d'Europe. Et qui plus est, tous les 5 avant la limite, Jean-Philippe. Donc ce premier championnat d'Europe de boxe de l'année 1995 se présente superbement. La pesée a eu lieu, comme d'habitude, midi, à 11h. Oui. Au Comeb, dans cette halle des sports. Et Laurent Boudonni, le challenger, il monte le premier. Il est pesé à 69,340 kg. Il n'a jamais été, depuis ses débuts professionnels, il y a 5 ans, à ce poids. Il est très affûté. Il n'y a pas de graisse sur le corps de Laurent Boudonni. Il est très très bien préparé physiquement, enfin, pourrait-on dire, à 28 ans. Alors Javier Castillero, 69,1 kg, il est toujours prêt, confiant, sûr de lui, et le point rageur. Lui aussi, il est motivé, il est aux portes d'un championnat du monde, puisqu'il est challenger officiel, donc il a une place à défendre, l'autre veut la prendre, c'est la boxe, c'est tout l'attrait du combat de ce soir. On va laisser passer une page de pub, et on va retrouver les deux hommes, Laurent Boudouani et Javier Castillero. Alors à tout de suite. Préparé, qui a mis enfin tous ses atouts pour pouvoir réussir au bout d'un an, travaille avec Laurent Boudonni. Il ne le lâche pas, si vous permettez l'expression. Il reste avec lui pratiquement 12 à 15 heures par jour. Laurent Boudonni a déménagé. Il a quitté sa Savoie pour s'installer à près de Grenoble, à Échirol, justement pour pouvoir être toujours bien entouré et surtout être le plus sérieux possible. Il décide enfin d'être professionnel parce qu'il sait maintenant qu'il n'a plus le droit à l'erreur, c'est terminé. Vous savez, quand un boxeur est doué comme Laurent Boudouani, on est toujours beaucoup plus exigeant, on lui demande toujours beaucoup de choses. Alors on a toujours été dur avec lui, il sait qu'il peut enfin concrétiser. Il a été champion d'Europe, mais son rêve, c'est un jour d'être champion du monde. Et avant d'atteindre ce rêve, avant d'atteindre cet objectif, il faut gagner ce soir devant cet Espagnol. Finalement, donc, les deux coups d'arrêt que nous évoquions ont peut-être été bénéfiques pour la suite de la carrière de Laurent Boudouani, qui pénètre maintenant sous les ovations du public champenois sur le ring dressé dans la halle des sports des Épernay. Dans une nouvelle tenue, Laurent Boudouani. Il a abandonné ses couleurs d'origine pour porter maintenant un short tricolore. Il porte ses couleurs depuis 3 combats, cela lui réussit parfaitement, car depuis sa défaite devant Razzano en octobre 93, donc lorsqu'il a perdu son titre européen, il a gagné ses 3 matchs, les 3 avant la limite, et il reste sur un convaincant succès en 3 rounds devant Guy Vasté dans un quart de finale du championnat de France. Lorsque Laurent Boudouani a tous ses moyens, lorsqu'il est en confiance, il est vraiment merveilleux sur un ring et rien ne peut l'arrêter. Souhaitons pour Boudouani, souhaitons pour la boxe en France que ce soir on ait du très grand Laurent Boudouani sur ce ring d'Épernay. Nous venons d'ailleurs assez souvent. Oui, on se souvient qu'on avait vu un très beau match, je crois le premier match en métropole de Jacobin Yoma lorsqu'il était venu affronter Londas. En juin 91, championnat d'Europe des poids. Qui ne rajeunit pas, mais super bon. Plume. Oh, quelques années Thierry. Quelques années, ça va être un... n'est pas changé. Non, vous êtes gentil, vous non plus. Jean-Philippe Isabelle, vous savez ça. Oui, bien sûr, ses parents les ont ouverts, je crois. Exactement. 2500 spectateurs ce soir à la halle des sports d'Épernay. La salle est comble pour un match très attendu. Le voilà, ce Javier Castillero, 26 ans. Il est invaincu depuis 2 ans. Il reste donc sur 5 championnats d'Europe consécutifs. Il a son palmarès, 38 combats, 36 victoires, 23 gagnés avant la limite, seulement 2 défaites. Il dégage une énorme confiance en lui. Il est sûr de lui. Il me disait ce matin, j'ai déjà battu 2 Français. J'ai battu Razzano et Proto en juillet. Ce soir, je détruirai Laurent Boudouani. Il est sur la route du championnat du monde car il est classé numéro 1 WBA. Cet Espagnol qui est né et qui vit à Madrid et qui se consacre toute l'année à son métier. Et c'est important, 365 jours par an, sa vie est réglée pour s'entraîner car il sait, comme ce n'est pas un boxeur très doué, que seul le travail paie. Boudouani est plus doué et d'ailleurs vous découvrirez la différence de style. C'est pour cette raison que ce match est très attrayant et s'annonce spectaculaire en raison de la morphologie et des styles différents. Et un Boudouani qui maintenant est dans son match, c'est la concentration avant les hymnes nationaux. On va donc commencer très certainement par l'hymne national du Grand-Duché du Luxembourg en l'honneur de l'arbitre, Monsieur Kretz. Le même manager que ce Javier Castillero. Son nom, Ricardo Sanchez Atocha. Ce Ricardo Sanchez Atocha a disputé avec ses boxeurs 15 championnats d'Europe depuis 6 ans. Il a gagné les 15. Il est invaincu. Il est très confiant. C'est lui qui a créé ce camp d'entraînement près de Madrid sur les hauteurs.
pour ces boxeurs. Ils vivent en communauté en quelque sorte, faisant eux-mêmes leur cuisine, faisant eux-mêmes leur lit et vivant ensemble et s'entraînant ensemble pratiquement toute l'année. D'où justement les résultats très probants de ces boxeurs. Laurent Boudouani, 26 ans. Castillero, 26 ans, Laurent Boudouani, 28 ans depuis 4 jours seulement. Boudouani est légèrement plus grand, il a une allonge supérieure et également légèrement plus lourd, mais vous verrez que sur le ring, c'est l'allonge surtout qui est différente entre ces deux boxeurs, au style diamétralement opposé. Laurent Boudouani a été vice-champion olympique à Séoul. C'est grâce à cet exploit qu'il est devenu célèbre lorsqu'en 1988, il avait perdu devant un certain Robert Vanguila. Tableau comparatif, 39 cm et des biceps supérieurs, en coup supérieur. Boudouani a d'ailleurs travaillé beaucoup en salle, a développé ses biceps, ses triceps, ses son cou, ses mensurations. Lorsqu'on a étudié avec notre équipe technique ce matin à la pesée, ses mensurations, il a gagné entre 2 et 3 cm au niveau du biceps, des trapèzes et du cou. Cela signifie tout simplement qu'il a travaillé depuis 4 mois. Enfin, Laurent Boudouani a décidé de travailler à fond. Les juges, Monsieur Kriet, c'est juge arbitre, Monsieur Henk Meyer, c'est hollandais, et Monsieur Kurt Stroyer est allemand. Et le superviseur est également en allemand, Monsieur Hugner. Et à signaler, dans la foule qui a envahi aujourd'hui la halle des sports d'Épernay, le président et ami de TF1, président de notre sponsor pour la boxe, Monsieur Gérard Pillot, qui est là et qui est venu, bien sûr, assister à cette première grande réunion de l'année 1995. Beaucoup de tension dans ce match. Je vous donne les instructions. Écoutez-moi surtout. Et surtout, faites un bon match. Ah, je peux vous assurer que ce match s'annonce très, très intéressant et que Laurent Boudouani, d'entrée, doit s'imposer. OK. Et bien montrer qu'il est présent devant un boxeur qui ne doute jamais, qui est sûr de lui, qui est champion d'Europe. Culotte bleue, l'INSEE, traduction en français, le lynx. C'est Javier Castillero, le madrilène, face à lui, donc le français challenger, qui essaie de reconquérir un titre qu'il a détenu il y a maintenant un an et demi. Un petit peu tendu Laurent Boudouani dans ce match, il sait qu'il joue gros ce soir. Il doit se décontracter au fil des minutes. Il n'a pas réussi à faire la sieste cet après-midi, habituellement après le déjeuner. Il s'allonge et trouve le sommeil, ce n'était pas le cas. Je peux vous assurer que dans quelques minutes, ça ira beaucoup mieux. Attention, oh, voilà. Grande vitesse de bras de Laurent Boudouani. Une belle droite. Et ça va le libérer, on peut en être certain. Large crochet. Castillero ne connaît qu'une seule technique, avancer la tête en avant et chercher l'épreuve de force. La puissance contre la félinité. Mais Laurent Boudouani, Thierry, est aussi un boxeur puissant, comme le démontre son palmarès. 29 combats, 27 victoires, dont 26 gagnés avant la limite et 2 défaites. 2 accidents. Très bon crochet. Toujours gravé au-dessus de la nuque, l'INSEE, le lynx, comme on l'avait remarqué devant Bernard Razzano à Dijon il y a un an. C'est en vitesse que attention, bon Laurent Boudouani peut s'imposer. Un bon semi-percute de Javier Castillero. Donner des directs du gauche. C'est vrai qu'il faut donner des coups pour permettre au juge de marquer. Il y a un problème droit et un bon contre. Voilà, grande vitesse de bras de Laurent Boudouani. Le coup d'œil. Et tranquillement, il vient de donner ses droits. Il n'est pas tenté. Mais l'arbitre a considéré qu'il avait glissé.
et ne le compte pas. Il n'y a pas de knockdown. On reverra ça au ralenti. On reverra ça tout à l'heure, mais peut-être a-t-il fait une erreur, avait quand même un coup. Oui. Il avait quand même un coup. Cela dit, ça va encore accentuer la décontraction de Boudouani. Fin de ce premier round. Le match est lancé maintenant. Le match est lancé et sur ce knockdown non comptabilisé par l'arbitre luxembourgeois, Monsieur Kretz, Laurent Boudouani a peut-être gagné la reprise. Souffle bien. On voit bien quand même qu'il y a. Ah, c'est très net, il y a un vrai knockdown. C'est un vrai knockdown, oui. Boudouani a encaissé le crochet du droit et a réagi immédiatement, avec le crochet droit et la direct du gauche à la pointe du menton. Il y avait bien knockdown. Ouais. Jean-Claude Échinger, ça ne lui a pas échappé avec son équipe de Chanel ce soir à Épernay. Très calme, très posé, Laurent Boudouani. Plus de 100 rounds de gants. Un diététicien suit maintenant les repas de Boudouani. Un masseur deux fois par semaine le suit également. Toute une structure mise en place autour de lui pour donner tous les moyens. Ah bah ça, c'est ça aussi la boxe. Hein. À ce niveau. Je ne sais pas quelle sera l'issue de ce match. Je peux vous assurer, pour m'être déplacé, avoir passé de nombreuses journées avec Laurent Boudouani, qu'il a vraiment mis tous les atouts pour réussir et pour revenir, car il sait qu'il n'a plus de temps à perdre. Et lorsque l'on a autant de talent dans les bras, comme le disait Jean-Claude Boutier, on doit faire des très belles choses sur la ring. Break. Il y a eu le pas de recul et les deux boxeurs ont repris tout à fait régulière cette action. Attention à ces larges crochets. Castillero, qui n'est pas doté d'une grande puissance, mais qui en revanche est très dense physiquement, très compact, est toujours présent. Et qui ne sait absolument pas reculer. Hein. C'est un boxeur qui, de la première à la dernière reprise, avance. Pour le constater. Le direct du gauche juste au-dessus du nez et qui a stoppé net l'avancée d'Espagnol. Celui percute du droit de Boudouani. Match est bien lancé là. Ah, techniquement, ce Laurent fait de très belles choses, on n'est pas surpris. On n'est pas par hasard vice-champion olympique, champion du monde militaire. Mais attention à cet Espagnol, très dur au mal. Ah oui. De droite de Laurent Boudouani et Casillero a légèrement grimacé. Et a été obligé de marquer un pas de recul. Un furieuse bataille maintenant dans cette deuxième reprise. Oui, super. Très bon coup d'œil et heureusement que ce large crochet est parti de loin. Très bien cette esquive rotative et revenir dans l'axe face à son adversaire. Il dose bien son effort, Boudouani. Il maîtrise très bien son sujet, ce début de combat. Attention, crochet gauche, il bloque avec le coude. Il profite des attaques de l'Espagnol pour le contrer. Il se découvre beaucoup cet Espagnol. Attention, crochet gauche. Il y a des occasions. Il est terrible ce Javier Castillero. Boudouani va très très vite de bras, exploite toutes les occasions. Et fin de cette reprise à l'avantage du Français. Supérieur techniquement. Et ce n'est pas une surprise. Ne précipite pas, ne précipite pas. Tu vas vite sans te précipiter. Tu fais du bon boulot. Souffle bien. Pas pour faire la bagarre avec, hein. De toute façon, on peut aller tout seul sur cette écoute. Bon.
beaucoup de calme dans le coin du français. Et voilà la troisième reprise de ce combat, bien sûr prévu en 12. Et on a vu un très bon crochet droit et un uppercut du droit. Il est très précis, il va très vite de bras. Et il travaille sur 4-5 coups Boudouani. C'est bien parti dans ce championnat d'Europe. Troisième reprise. Castillero qui cherche à coincer son adversaire. Castillero qui n'aime pas être bousculé et qui est pris de vitesse pour le moment. Sa boxe est beaucoup plus stéréotypée que celle de son adversaire. Et voilà une bonne attaque. Faire douter aussi un petit peu Castillero. Oh, quelle droite! Parfaitement encaissé par Boudouani. Superbe droite de Castillero, arrivé de plein fouet. Une bonne réaction du challenger. Qui sait prendre les coups. On se rend coup pour coup dans ce championnat d'Europe. Mais c'est un match de très très grande qualité pour l'instant. Et d'un très bon niveau. On vous l'annonçait en raison justement des qualités des deux boxeurs. Ce match ne pouvait pas être décevant. Oui, bon coup d'arrêt là en direct du gauche en piston de Boudouani. Peut-être à travailler en contre, qui laisse plus Castillero s'organiser et frapper dans cette troisième reprise. Pour mieux trouver l'ouverture. Oh, il coince très bien. Oh, il contrôle. Dans le domaine défensif, Laurent a beaucoup travaillé, a progressé, c'est sûr. Comment ? Ces larges crochets. Oh, encore une deuxième. Très... Oh, 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 ah, voilà une belle droite. Droite dans la tempe. Et le champion d'Europe est compté. C'est un atome du français. Attention, Castillero est un guerrier qui sait réagir. Mais Laurent Boudani est coupé à l'arcade droite sur le large swing du droit justement des Espagnols. L'arcade a explosé. Et leur enseigne de l'arcade droite, de l'arcade gauche. Et lui percute maintenant. Ça va très très vite. Comme l'anglais en dit-il, dominé. Il y a un an et demi en Angleterre, l'espagnol est dominé. Mais l'arcade, et c'est inquiétant. Car si Boudouani a les moyens de gagner ce match avant la limite, il est blessé. Et il faudra tous les soins pour eux. Va être important là. Il n'y a pas de nervosité. Ramirez, cette arcade gauche de saigner. Vous avez raison Thierry, Ramirez est un homme de métier. Il faudra du métier pour justement que Laurent ne s'inquiète pas. Et pour l'instant il ne s'inquiète pas. Il a le match en main, il domine son adversaire. Quand même envoyé deux fois au tapis en trois reprises. Seul l'un de ses knockdowns a été comptabilisé. Mais enfin ça... Je trouve qu'il mène quand même assez nettement pour l'instant, alors qu'on attaque la quatrième reprise ce championnat d'Europe. Une dernière fois qu'Espagnol est allé. Attention, l'Espagnol fait des esquives basses et surtout il a tendance à avoir la tête en avant. C'est son type de boxe, il faut s'adapter et faire avec.
mais cela peut être dangereux pour l'adversaire. La dernière fois que l'Espagnol est allé au tapis, c'était lors de son championnat du monde, qu'il a perdu en 92 devant Vasquez, l'actuel champion WBA. Ouais, voilà encore une bonne droite de Laurent Boudouani. L'œil très clair. Mais attention à cette blessure. Je reste prudent, Thierry. Oui, oui, moi aussi je reste prudent car une arcade évidemment qui explose comme ça, cela ne peut que s'aggraver. Sauf si les hommes de coin savent faire ce qu'il faut. On et sent cela semble être le cas. On sent un boxeur moins lucide. Castillero fait de grands rushs. On sent l'adversaire s'ouvre énormément. Cherche le coup dur. Il a perdu beaucoup de confiance et physiquement il est un peu éprouvé cet Espagnol. Car les coups de Boudouani sont très mal, sont très secs et très précis. Oui, encore une belle droite en sortie. Vous verrez à chaque sortie de corps à corps, c'est Boudouani qui touche. Et un petit filet de sang de cette arcade sourcilière gauche, mais rien de très sérieux. Il y a beaucoup de facilité dans tous les gestes de Boudouani, beaucoup d'improvisation. Il sait s'adapter à tous les adversaires. Espérons pour le Savoyard que tout se passe pour le mieux. Ouais. Droite encore seul. Bien détaché. Quelle vitesse de bras chez Boudouani qui va plus vite qu'un poids léger. C'est ce que me disait Angèle Monin. Mais attention, Castillero est très très dur. Et c'est incontestablement, depuis le championnat du monde, le match le plus difficile dans la carrière de cet Espagnol. Voilà, vitesse de bras du Français. Et une série des deux mains au corps à la face. Quand Castillero donne un coup, le Français donne quatre. Et cela lui permet évidemment de marquer des points sur les cartons des trois juges. Je vous rappelle, un juge néerlandais, un juge arbitre luxembourgeois, Jean-Philippe, sauf ce que vous nous disiez tout à l'heure, que ce n'est plus le même Boudouani. C'est le Boudouani qui est prêt pour faire 12 rounds, qui serait même peut-être prêt pour en faire 15. Et qui est là, bien présent, à l'amorce de la cinquième reprise. Et il a l'avantage de 3 points au minimum dans ce championnat d'Europe. Au minimum, oui, parce qu'il y en a déjà eu 2 avec le knockdown dans un round. Et les autres, il a été loin de les perdre. Blessure qui ne s'est pas aggravée. Un très beau travail dans le coin. Ça, c'était important. C'est sur des actions comme celle-là aussi qu'un combat peut se gagner ou se perdre. Le champion d'Europe qui saigne du nez et qui est, semble-t-il, touché à la pommette ou arcade de droite. Attention à ces larges swings du droit. Il se sort bien de ses corps à corps, Boudouani. Oh, la droite encore très courte. Il ne bronche pas Boudouani sur les rushs de son adversaire. Akam pose un pressing terrible. Il faudra être fort dans la tête, ne pas douter un seul moment. Car même si on a travaillé physiquement, le mental va jouer un rôle très important dans ce match. Lorsqu'il faudra serrer les dents. Et Laurent doit serrer les dents, même s'il domine techniquement son adversaire. Attention, okay. Il est marqué, très marqué ce Javier Castillero, passé professionnel en juillet 88. Ouh, que c'est bien fait, bien détaché de la part de Boudouani. Dès qu'il y a l'ouverture, la droite jaillit, deux droites comme ça en quelques secondes. Ah, il est beaucoup, beaucoup plus rapide que l'Espagnol, ça c'est sûr. Il n'y a pas de déchet dans sa boxe. Et surtout, il temporise, il laisse venir, il varie un petit peu, il varie les attaques. Regarde, uppercut, crochet gauche au foie et ensuite travaille en semi-uppercut.
C'est un boxeur un peu imprévisible, qui boxe complètement naturellement, pas besoin de lui apprendre. Il a commencé la boxe à 9 ans, Laurent Boudouani a disputé 96 combats amateurs. Le ring, oui. L'univers qu'il maîtrise. Très joli, crochet gauche là, bien détaché là encore. Ce qu'il y a de nouveau dans le Boudouani 95, c'est cette façon de prendre les coups. Parce qu'il n'a pas affaire à un manchot en face, hein, soyez-en certains. Castillero, le poing droit levé, qui sent qu'il revient peut-être un petit peu. L'homme de Boudouani, il a toujours été à ses côtés. Et je peux vous dire qu'il est tendu. Il est très fort, mais très tapé. Et voilà Gérard Tesseron, l'honnête homme des organisations de boxe véritablement. Sixième reprise, Laurent Boudouani mène. Et surtout son souffle n'est pas court, il respire parfaitement. Et on va particulièrement observer justement cette résistance. Ce travail qu'il a fait sur les pistes d'athlétisme des Chirols, travaillant sur des longs footings pendant 2 mois et travaillant ensuite le fractionné. Il a un rythme cardiaque au repos à 38 secondes, Laurent Boudouani. Je pense que les connaisseurs apprécieront. C'est lui dire qu'il a vraiment des qualités naturelles et qu'il est capable de courir le 100 mètres en 11-1. C'est un véritable athlète. Allez, Laurent! De Castillero. Ah, il fait face à Laurent Boudouani sans problème. Est-ce qu'il passe? Et c'est Laurent Boudouani qui sort vainqueur de cet affrontement. Il reste beaucoup de tension dans ce match. Oui, bien vu. Heureusement qu'il a esquivé cette droite qu'il a vu venir. Il est vraiment très dur au match, cet Espagnol. Mais qui ne doute jamais. Hey, voilà, petit hypercute droit. Que c'est bien fait, bien stoppé. Triplé du gauche et du droit pour finir en doublé. Remarquable. Il cherche l'ouverture, il laisse frapper son adversaire. Car avec son coup d'œil, il sait qu'il peut faire la différence et toucher quand il veut. Petite baisse de régime physique hein, chez Castillero. Ça sera très certainement momentané, mais il y a une petite baisse pour l'instant. C'est-à-dire qu'il avait donné un coup d'accélérateur à la reprise précédente et il paye un petit peu cette accélération-là à l'occasion de cette sixième. Tiens, juste bloqué encore Castillero. Il se désaxe et il travaille derrière le coude de l'Espagnol. Pour l'instant, pourvu que ça dure, Boudouani le fait sans faute. Un véritable sans faute. Dominique Ramirez qui a passé des heures et des heures à visionner les cassettes de Castillero et qui ensuite faisait les comptes rendus et faisait travailler à la salle. Son boxeur. On n'a vraiment rien laissé au hasard dans ce combat. Pour ce championnat d'Europe des super mi-moyens, les super welter. Oui, bien sorti. Voyez comme c'est bien fait tout ça. Castillero n'a pas donné un seul coup dans ce sixième. Et son attitude ne trompe pas. Lorsqu'il rentre dans son coin, il est très éliminé. On attaque le septième. Attendu dans le coin de Laurent Boudouani au boxeur savoyard. C'est-à-dire qu'on attaque la deuxième moitié de ce championnat d'Europe. Dominique Ramirez lui a demandé d'accélérer. Laurent Boudouani mène au point assez largement, mais il n'y a rien de fait. Loin de là. Il attaque au plexus de l'Espagnol. Il est très dangereux cet Espagnol avec ses larges droites. Il faut garder sa concentration tout le temps, chaque seconde du match.
vitesse avec laquelle Laurent Boudouani se sort des cordes. Un atout. C'est un homme qui avance comme Javier Castillero. Très attentif, Laurent Boudouani qui doit continuer à travailler. C'est 3-4 un crochet. Toute une série de coups à la face. La solution viendra peut-être au niveau du plexus ou en dessous. Mais l'Espagnol quand même, il encaisse merveilleusement lui aussi. Et Laurent aussi qui vient de prendre une droite en contre de l'Espagnol. Qui vient d'ailleurs légèrement de le toucher à la pommette gauche. Ah, c'est une vraie bataille où il faut être prêt. Combat d'une grande, grande intensité. Combat très clair, Boudouani n'a pas encore bougé. Ah, il maîtrise parfaitement. L'œil gauche ferme de Castillero, très éprouvé, qui tombe un petit peu plus sur ses coups, le visage rougit de plus en plus. Mais courageux, hein, capable toujours. De toute la réaction, énorme ouais. Courage. Il avance sans arrêt, comme il l'a fait depuis le début de ce match. Oh, c'est très dur pour cet Espagnol qui souffre devant un boxeur qui a une classe folle. Castillero qui avait fait mal à Bernard Razzano, qui avait fait très mal à Ludovic Proto en Espagne lors de son dernier championnat d'Europe en juillet dernier, mais qui trouve plus fort que lui ce soir. Attention, le match n'est pas fini, restons prudents, mais pour le moment il y a une démonstration éclatante du talent de Laurent Boudouani, comme il l'avait fait devant Romolo Casamonica ou Jean-Claude Fontana, ou en dit-il, lors de ses trois championnats d'Europe gagnés avec aisance. Oui, une bonne droite de l'Espagnol là. Mais il perd ce round encore Castillero. Le round s'enchaîne, l'écart se creuse. Et vous entendez le public d'Épernay, la capitale du Champagne, et vous encourager le boxeur français. Huitième reprise. Et vous rendez-vous compte de la lucidité de Boudouani qui dit qu'il ne vient pas. C'est vrai qu'il cherche le compte depuis 2-3 rounds. Il est très lucide, il est très calme. C'était lors du 8e round que Laurent Boudouani avait craqué devant Gilbert Baptiste et devant Bernard Razzano. Mais le scénario depuis 2-3 rounds était tout à fait différent. Et ce soir, Laurent Boudouani ne devrait pas craquer, pas du tout même. Ça devient de plus en plus dur pour Castillero. C'est-à-dire que ça va un peu vite pour lui. Mais il est toujours là, il est toujours présent, il avance toujours sur le bonhomme. Et ses larges coups sont une menace perpétuelle. On ne peut pas se relâcher face à un tel boxeur. Oh, quel uppercut du droit encore. Quelle vitesse de bras. Oui. Doublé en direct du gauche. Superbe. Et c'est pas des gauches n'importe comment, c'est des vrais gauches en piston. Très éprouvé Castillero dans ce 8e round. Il est sur les talons. Il n'a plus les moyens d'empêcher. Il souffre énormément. L'Espagnol dans ce 8e round. Boudouani aux portes maintenant. La ceinture lui tend les bras. Car Boudouani, avant à moins d'un gigantesque retournement de situation, ne pourra pas perdre ce championnat d'Europe. Dieu vous entende, Jean-Philippe. Il a tellement changé, Laurent. C'est un nouveau bonhomme, comme on l'a d'ailleurs entendu dans l'interview en début de reportage. Plus épanoui, confiant, souriant, beaucoup plus ouvert. À 28 ans, c'est une nouvelle ère qui démarre pour lui. Souhaitons-lui, vraiment. Et le public d'Épernay qui scande maintenant son prénom. Plus encore que la première fois lorsqu'il est devenu champion d'Europe, ce match est beaucoup plus important. Et Castillero qui ne rompt pas, qui ne bronche pas. Quelle santé chez ce Madrilène. Énorme courage de la part de l'Espagnol qui prend des dizaines de coups par reprise. Des gauches en arrêt.
mais qui est toujours là. Le visage rougi, certes, un peu cabossé, mais là, présent. Quelle démonstration, quelle vitesse et quelle précision encore les directs. Ça fuit, ça part de tous côtés. Attention l'Espagnol maintenant. Il y a encore des grimaces et un direct du droit à gauche, un droit. Oh, c'est terrible pour l'Espagnol. L'arbitre va intervenir, ça va être un compté debout. Ce n'est pas encore l'arrêt du match, il est compté debout. Il n'en peut plus. Castillero sera arrêté. Peut-être pas maintenant, mais dans quelques secondes, c'est trop dur. Et on demande dans le cobble de récupérer fin du round. Il est sauvé par le gong. Peut-être qu'on va le garder dans son coin. C'est bien, c'est bien. No podemos dejar nadie el título, Javi. No podemos dejar nadie el título, Javi. Bien armadito. Ahí, con cojones, ponle cojones. Vamos a ganarle con cojones. Il n'y croit plus. Castillero n'y croit plus du tout. C'est dans son coin qu'on essaye de lui redonner confiance. Mais il n'a plus les moyens de réagir. Vamos a sacar mano, Javi. Vamos a sacar mano. Hay que sacar mano. Está peleando un hombre. Vamos arriba. Tira para arriba. Tira para arriba, dentro de un tigre. Vamos. Lávate. Mira, que manda un palo él. Conténtale. Vamos, Javi. Esto es de hombre a hombre. Vamos. Tira para él. No te quedes para atrás. Sí, porque es dos. Quelle différence entre le calme du coin de Laurent Boudouani et puis l'énervement, un petit peu, je dirais presque la panique dans le coin de l'Espagnol. Et c'est tout un symbole, c'est dans le 8e round qui avait porté tellement malheur à Laurent Boudouani qu'il était prêt de gagner. C'est la 9e reprise maintenant. Et quel courage, ce Javier Castillero qui mérite toutes les éloges. Plus de 5 points d'avance pour le Français. Qui a gagné toutes les reprises sauf deux. Oh, attention encore, il va être KO. Il se relève, monsieur Roger Kriès. Il regarde vers son coin, fait un signe que ça va, mais regardez le regard. Le regard triste. Le regard résigné, Roger Kriès lui demande de reprendre le match. Il saigne du nez maintenant, il continue à y croire. Boudouani va conclure. Il va être arrêté, l'Espagnol, par l'arbitre luxembourgeois. Et Ochoa ne veut pas jeter l'éponge, n'arrêtera pas son boxeur, il prend des coups inutilement. Voilà, c'est fini. Il prend des coups inutilement. Il va être arrêté et il est arrêté. Laurent Boudouani a été exact au rendez-vous ce soir. Que ces images sont dures pour Javier Castillero, battu par plus fort que lui. Boudouani is back, comme on dit aux États-Unis. Boudouani de retour. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Très, c'est ça, très surtout. Heureux, Thierry, pour lui, pour tout ce qu'il a fait, car il a concrétisé. C'est un boxeur au potentiel énorme, qui a un talent fou. Il a tellement été critiqué qu'il a montré qu'il est capable des plus belles choses. Je peux vous assurer que Laurent Boudouani, lorsqu'il est au sommet, je ne dirais pas qu'il est imbattable, car en boxe, c'est tellement difficile, mais qu'il peut faire les plus belles choses et qu'il peut atteindre les plus grands sommets, étant donné la qualité et le talent qu'il a dans les deux coins. Et sportivement, il va réconforter son adversaire. Et ça, c'est bien. Vraiment, Laurent Boudouani, ce soir, comme le disait Jean-Philippe à l'instant, a été vraiment exact au rendez-vous qu'il avait fixé à tout le monde. Et c'est un autre homme que nous avons vu. Rien à voir avec le boxeur qui avait du reste quelques kilos de trop, que nous avions pu voir avec tout son talent sur les rings un petit peu partout. Là, c'est un véritable champion aujourd'hui, champion d'Europe, peut-être demain champion du monde, que nous avons vu. Laurent, vous avez sourire, bon, il y a la blessure, on est heureux pour vous. Vous avez été exact au rendez-vous, on le sentait, votre préparation est allée vous voir. Vous avez fait le match parfait ce soir. On a fait une préparation adéquate. Ce titre, je le voulais trop. Et on est encore beaucoup plus content de le reconquérir que de l'avoir la première fois. Je suis super content. Et je l'ai dédié à tout mon entourage et à moi, ceux qui m'ont aidé. On se reconnaître. Laurent, est-ce qu'il y a quelques mois vous aviez envie d'abandonner la boxe et de tout laisser tomber? C'est tout au début de l'année, ça. Ça veut qu'on changement de d'adresse. Et il faut laisser faire, quoi, en fait. C'était dur, mais bon, on a réussi ce soir, on est content. Donc c'est un nouveau Laurent? Je pense, ouais. Un Laurent qui... Le même Laurent, plus pas. Merci, bravo en tous les cas. Exact au rendez-vous, il y a été très heureux. Dominique, bravo. Et un Laurent lucide, surtout, vous avez vu avec quelle fraîcheur, quelle spontanéité
Il a répondu aux questions de Jean-Philippe Lustig. Pas du tout l'impression, Thierry, qui vient de faire 9 rounds d'un championnat d'Europe. C'est exactement ce que je venais de dire. Excusez-moi, non, je ne vous entendais pas. Non, je suis désolé, Thierry. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Et je pense que c'est un grand, grand championnat d'Europe que vient de remporter Laurent Boudouani au moment de l'arrêt de l'arbitre luxembourgeois. J'avais pour ma part 7 points d'avance pour le Français, mais il était toujours à la merci, évidemment, d'un coup du champion d'Europe qui vient de céder son titre, donc, et un nouveau titre de champion d'Europe pour la France avec Laurent Boudouani qui vient de le reconquérir. Par chaos technique à la 9e reprise, la mouille difficile, Laurent Boudouani. Javier, très très déçu. Gracias et bravo. Il a fait ce qu'il a pu, Javier Castillero, mais il est tout simplement tombé ce soir sur un boxeur qui était plus fort que lui. Et vraiment, Laurent Boudouani a été ce soir remarquable à tout point. J'attends qu'on nous fasse signe dans le casque, je pense qu'on aura peut-être le temps. Je pense qu'on va avoir le temps juste de passer, après cette belle victoire, pendant une minute, si dans le car ils sont prêts. Nous allons vous montrer l'espace d'une minute 15. Le dernier round d'un match passionnant avec un espoir qui frappe et qui sera peut-être un jour champion d'Europe. Il s'appelle Patrick Charpentier. Oui, Patrick Charpentier qui boxait quelques instants avant ce championnat d'Europe. On est en train de se préparer dans le quart pour essayer de nous passer, si cela est possible, quelques images de ce combat qui a été de belle qualité.